Welcome everyone for this fifth webinar in response to the current COVID-19 crisis that we organized with our friends of the EPSOMED program. So today, the topic is about aftercare. This topic has been requested and chosen with our partners and members of the ANIMA network, which are in the technical committee that decide on the roadmap of webinars that we organize this year. Due to the situation, obviously, we would prefer to be with you. Donc ce webinaire, c'est sur le sujet de l'aftercare. C'est un sujet qui a été plébiscité par notre comité technique avec qui nous travaillons pour mettre en place ces webinaires en réponse à la crise sanitaire. Malheureusement, on ne peut pas se voir en présentiel. So I would like to thank Business France, GAFI, FIPA Tunisia for being part of this committee and also be speaker today actually, and to give them the technical guidance for this program of webinar. Donc voilà, donc je remercie Business France, le GAFI en Égypte et puis la FIPA Tunisie qui participe à ce comité technique et nous accompagne dans les décisions, dans la mise en place de ces sujets, de ces webinaires. On va peut-être passer à la présentation tout de suite. So we go through the presentation now, Lydie. So I'm with Lydie Cornan, where she's in charge of the capacity building activity at ANIMA, and she will moderate and show the technical aspect of the webinar. So just some good practices. Quelques bonnes pratiques. We will speak in French and in English, so all the video you will see will be translated, or except one at the end, but it will be translated later on. It's because we received it very late. Donc on parle français et anglais et toutes les vidéos sont traduites. Donc vous pouvez, même si la vidéo est en anglais, vous pourrez ou en français, vous pourrez la suivre. Please cut your microphone so that there is no interference. Vous fermez votre micro, bien entendu. The webinar is recorded, so you will be able to review it. I come back to that. So, tout est enregistré. Vous pourrez revoir le webinaire si vous avez une partie. And you have the possibility to raise your hand on the toolbar of the Teams. You can raise your hand, and so we can know if you want to put a question. Obviously, after each presentation, you will be able to discuss with the speaker and raise your question and open the discussion. Après chaque intervention, vous avez la possibilité d'échanger avec le speaker. Pour ça, vous devez appuyer sur la petite main, sur la barre d'outils de Teams, qui nous montre que vous avez envie de vous exprimer. On va passer à la suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc ces webinaires, je reviens rapidement. L'idée, c'est de partager des expériences, de donner des clés sur des sujets liés à l'attractivité, au développement économique. Hein, this webinar, the objective is to give keys, answer, to share best practices on problematics linked to attractiveness and economic development. Let's next slide. Sorry. Voilà. So today we are talking. We are talking about aftercare and how this aftercare will help your policy advocacy, meaning your improvement of the climate, of the law, of the measures you or your governments, local or national, can promote and can develop to favor investment and enterprise. We will be having another webinar on aftercare. It will be on the 10th of November. On the topic of how you use aftercare to improve the image of your country, to improve your marketing. Donc aujourd'hui, on parle de l'aftercare et comment ça contribue au plaidoyer, aux mesures, au cadre de l'investissement et de l'environnement des affaires et comment on se sert de la relation avec l'investisseur pour améliorer ce cadre. Et puis on aura le 10 novembre un autre séminaire sur l'aftercare et là on verra comment l'aftercare peut être utilisé pour, donc la relation avec les investisseurs, avec les entreprises du territoire, peut être utilisée pour améliorer l'image et le marketing du pays. Et en décembre, on aura un autre webinaire. Ça, c'est pour le programme 2020. On continuera en 2021, mais on vous le dira la prochaine fois. En décembre, on aura un autre webinaire sur la digitalisation des services, en particulier les e-procédures et les services digitaux qui peuvent servir les investisseurs et les entreprises, notamment dans ce contexte où on est en mode de plus souvent distanciel avec les entreprises. So,
We'll have a next webinar in December dedicated to digitalization of the services, and particularly e-procedures and how the digital services can serve the relationship and the support for investor and enterprise. Obviously, always in this context of the crisis where we are still, unfortunately, working from most often from distance with the investors and with companies. Next slide. So the program today, and really thank you for the very very interesting and deep presentation, deep insight that will be given by the presentation. We'll have Philippe Hivergneau, he's the head of cooperation from Business France. He will speak about the public investor dialogue and how Business France is using it for his advocacy. Then we have Nagi Abou El Ella. Thank you for being there with us as well. He's the head of service in charge of the investment commission. He's the undersecretary, head of investor care department at GAFI Egypt. And we have a very interesting presentation as well about how Egypt is using aftercare, the relationship with investor to improve its attractiveness. And then we'll have AMD Morocco, so the investment promotion agency of Morocco, to share their experience as well. It will be Nejma El Houda Bouamama. She's the head of service in charge of the investment commission at AMD Morocco. And she will speak about how the relationship with the investor helps the development of new law, new measures, and also the support, emergency support given to companies. Donc on a Philippe Hivergneau de Business France qui est en charge de la coopération internationale à Business France, qui va nous parler du dialogue public investisseur et comment Business France l'utilise dans son plaidoyer, dans l'amélioration de son climat des affaires. Monsieur Nagi Abou El Ella, qui est en charge du service d'aftercare au GAFI en Égypte, qui va nous parler de comment il se sert de cette relation investisseur pour améliorer les mesures d'attractivité du pays, d'Égypte. Et puis Nejma El Houda Bouamama, qui s'occupe de la commission, qui est en charge de la commission des investissements à l'agence de promotion des investissements et qui va nous expliquer de façon assez large d'ailleurs comment l'aftercare est utilisé pour régler les problèmes et aussi pour introduire des nouvelles lois, des nouvelles réglementations. C'est la suivante. Voilà. Alors, you are the participants. Welcome everyone. I think we are about 20 so far and probably more will join because we have over 60 registrations for this webinar. You can use the chat box. You have feel free to interact, raise your question even during the presentations through the chat box. You see the little chat box. So I invite you to say hello with the chat box and maybe to give us the name of your organization and eventually how do you feel and how for this webinar. Donc vous pouvez interagir à tout moment par la chat box pendant les interventions ou après les interventions pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas à vous en servir tout de suite pour dire bonjour, je suis de Tunisie, je suis d'Égypte, je suis etc. pour vous saluer les uns les autres. Voilà, si vous voulez le faire. On passe à la suivante. Very important. You have several opportunities to follow up on this webinar. You will have very interesting presentation today. If you are interested to collaborate with Philippe Hivergneau, with Nagi Abou El Ella, with Nejma El Houda Bouamama, after the webinar, if you want to follow up with their institution and have a technical collaboration with them, we have, with the support of the EPSOMED program, an instrument that can support this cooperation. This is the peer lending program. You can organize between you and one of the experts you will see today, or even experts that have spoken in the previous webinars, you will be able to organize short twinning, which are short missions, like consulting mission or joint project development mission. So to share expertise, to develop business linkages, to develop cross promotion between you and another agency, another country. These are 10 to 20 days expertise, technical assistance. We support financially 80% of all costs.
in the limit of 8,500 euros. So feel free to use Lydie if you can write my email address in the toolbar. So okay. You can contact in the chat bar. So you can contact me to ask this peer learning program, and we will be able to connect you to a partner to organize this. Donc, on a un instrument qui est très intéressant pour poursuivre ces webinaires et pour aller plus loin. C'est le programme de peer learning. Donc, si un des intervenants d'aujourd'hui, vous voulez continuer à travailler avec lui, avec son institution sur ces sujets ou sur d'autres, vous pouvez utiliser le jumelage technique d'EBSOMED. Ça nous permet de financer jusqu'à 8 500 € d'expertise et de voyage pour organiser un jumelage technique entre vous. Donc, cet instrument de peer learning programme est très intéressant. Un very, very interesting instrument. Feel free to contact me. Lydie va mettre mon mail. C'est fait. Voilà, Lydie a mis mon mail, mon adresse email. Vous pouvez me contacter et je vous mettrai en relation avec d'autres partenaires et on pourra lancer ce peer learning. Dernière slide pour l'introduction. Last slide for the introduction. Thank you, Lydie. So all our webinars, all our presentations from the organizations that are participating in this webinar, you can find them in the Anima YouTube. You go on YouTube, you type Anima Investment Network, you will find our YouTube channel, or you connect to our website, the Anima website, and you will be able at the top to link to the YouTube channel. So all the presentation, you can find them individually, or you can review all the webinars we have done in the past. And that's also a source of identification of possible peer expert or peer organization you want to work with during the peer learning program. Donc on a une chaîne YouTube dans laquelle on met toutes les présentations des webinaires et des experts qui parlent. Elles sont toutes traduites, donc they are all translated in this presentation. Donc, il n'y aura pas de problème pour les voir et les comprendre. Ça vous permet aussi de revoir les webinaires et d'identifier éventuellement des organisations avec qui vous avez envie de travailler dans le cadre du Peer Learning Programme. Donc, n'hésitez pas à aller visiter cette chaîne YouTube et on vous connectera avec les institutions avec qui vous avez envie de travailler. Voilà, c'était tout en termes d'introduction. On va rentrer dans le sujet. So this was all for the introduction. Let's go right into the topic. First speaker is Philippe Hivergnaud, Director for International Cooperation for Business France. Hello, Philippe. I know you are with us today. Before Bonjour à tous. Start, hello. Well, let's go. Let's go, Lydie. Mm-hmm. You can put the video. De Business France. Je vais vous parler aujourd'hui du sujet comment utiliser l'aftercare pour les plaidoyers politiques et la résolution des problèmes. Alors, c'est un sujet que me le permettez, je vais rebaptiser d'un titre que je trouve un peu plus précis, qui est l'utilisation du dialogue public-investisseur au service du plaidoyer attractivité. Alors, un petit rappel de notre expérience, Business France, moi-même. Donc, Business France, c'est l'agence publique en charge de la promotion des investissements étrangers pour la France, et également, c'est une définition officielle, en charge du plaidoyer de l'attractivité économique, donc en charge de faire des recommandations au gouvernement sur les mesures d'attractivité. C'est en gros, au niveau de l'équipe Invest, 6 000 entreprises qui sont rencontrées chaque année, dont à peu près la moitié au titre de l'activité qu'on appelle aftercare. Business France dispose d'un plan d'action annuel structuré pour la préparation du plaidoyer qui aboutit sur la publication ou la remise au gouvernement plus exactement d'un rapport annuel de recommandations sur l'attractivité, sur les mesures d'attractivité. Les recommandations qui sont adoptées par le gouvernement font l'objet d'une publication et d'une communication auprès des investisseurs étrangers à l'occasion d'un grand événement qui est organisé chaque année qu'on appelle le Choose France Summit, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. De mon côté, j'ai à peu près 22 ans d'expérience dans l'attraction des investissements et au cours des 22 ans, passé en agence régionale, donc au contact des entreprises sur le terrain, mais aussi dans des bureaux à l'étranger, Amérique du Nord et Grande-Bretagne. J'ai eu à peu près 1 000 rendez-vous, un peu plus de rendez-vous aftercare, donc de suivi de projets d'investissement étrangers. Donc, sur cette double base d'expérience de Business France et de mon expérience personnelle, que je vais vous présenter les idées qui
qui sont bien entendu celles que nous avons, Business France, moi-même, mais qui ne prétendent pas couvrir l'ensemble du sujet. Alors aujourd'hui, je vous propose donc d'abord effectivement d'élargir la notion d'aftercare, on parlait plutôt de dialogue public-investisseur, je vais y revenir tout de suite sur ce que ça recouvre, définir les objectifs du dialogue public-investisseur, voir quel rôle l'agence de promotion des investissements doit jouer dans ce dialogue. Je rappellerai ensuite l'importance du dialogue public-investisseur dans la construction du plaidoyer, en parallèle des autres sources d'informations pour le plaidoyer, études économiques et autres. Voir également les risques auxquels ce dialogue est exposé dans son exercice et les actions à mettre en œuvre dans le cadre d'un dialogue public-investisseur bien construit. Le tout dans une approche multi-objectif, je reviendrai sur ce que ça signifie, et je terminerai par une illustration en prenant l'exemple du sommet Choose France dont je viens de parler. On terminera en regardant comment construire rapidement un plan d'action, donc de dialogue public-investisseur autour d'objectifs et d'indicateurs SMART, selon le terme consacré, et avec les outils et moyens adéquats. Alors, pourquoi ne pas parler d'aftercare aujourd'hui? Alors, l'aftercare, stricto sensu, donc terme anglais, qu'on traduit parfois comme suivi après implantation ou suivi après décision, est vraiment centré sur la question du suivi des projets d'investissement portés par des investisseurs étrangers, en l'occurrence, et le suivi éventuellement durant la réalisation du projet sur le territoire et aussi au-delà de la réalisation, pendant toute la durée de vie de l'activité de l'investisseur sur le territoire. Alors, dans la pratique et en réalité, lorsqu'on développe un département aftercare ou une action d'aftercare, on va couvrir par ce terme l'ensemble des relations qui sont développées entre les parties prenantes publiques, c'est-à-dire l'agence de promotion d'investissement, mais aussi les autres acteurs publics, certains et autres, et l'investisseur présent sur le territoire. C'est pourquoi ici, je préférerais parler de dialogue public-investisseur qui me semble plus pertinent. Je rappelle ici, hein, ce qu'on définit donc précisément comme dialogue public-investisseur, c'est l'ensemble de ces interactions entre les acteurs publics au sens large et l'investisseur pour apporter aux deux parties, l'investisseur d'un côté, mais aussi les acteurs publics, les informations qui leur seront utiles pour contribuer en fait à la réalisation de trois objectifs qui sont organisés autour des trois clients ou des trois cibles de ce dialogue public investisseur. Alors la première, bien sûr, c'est l'investisseur lui-même, l'investisseur étranger. Là, l'objectif est d'assurer le bon développement du projet qu'il porte sur le territoire, sa satisfaction in fine. Et donc là, cela recouvre ce qu'on appelle, stricto sensu, l'activité d'aftercare. Alors il y a un deuxième client, avec un deuxième objectif, c'est le gouvernement lui-même, puisque ce dialogue public peut contribuer, on verra comment tout de suite, à conseiller le gouvernement sur la politique d'attractivité économique et sur les mesures à prendre pour renforcer cette attractivité, le climat d'affaires et la compétitivité économique du pays. C'est ce qu'on appelle, pour résumer, le plaidoyer attractivité. Alors, il y a un troisième client également, qui est un client interne, c'est l'agence de promotion des investissements elle-même, dans la mesure où les informations glanées dans ce dialogue public-investisseur peuvent aider à renforcer les outils marketing, la stratégie marketing, et derrière cela, les actions priorités et plans de prospection de l'agence. Donc, c'est ce qu'on a résumé ici sous l'activité développement marketing. Ce troisième sujet sera traité dans un webinaire à venir dans quelques jours. Nous nous concentrerons aujourd'hui sur la deuxième priorité, le deuxième client, qui est donc le plaidoyer attractivité à destination du gouvernement. Alors, une première question se pose pour nous tous, c'est quel est le rôle de l'API, l'Agence de promotion des investissements, dans ce dialogue? Alors, cette question a en fait deux sous-parties. Quelles sont les missions de l'API et comment est-ce que l'API s'insère dans l'écosystème d'acteurs qui interagit avec un investisseur étranger sur le territoire. Alors, en règle générale, l'API
un certain nombre de missions. On en retrouve par construction deux dans, je dirais, 99%, si ce n'est 100% des agences de promotion d'investissement. Ce sont les activités directement tournées vers les investisseurs étrangers, donc extérieurs, la prospection des investisseurs, la prospection ciblée et la digitalisée, et plus largement la promotion du territoire, de votre pays ou des régions, auprès de ces investisseurs étrangers. Donc ça, on le retrouve dans toutes les agences. On retrouve souvent, mais pas forcément avec l'API comme leader, c'est parfois simplement comme partie prenante autour d'une autre agence publique, la question du ce qu'on appelle le country branding, ou en français la création d'une marque pays, notamment bien sûr pour nous sur tout ce qui est activité économique, qui est une activité complémentaire qui va alimenter, bien entendu, les actions de promotion et de prospection. Et ensuite, il reste deux activités, le plaidoyer attractivité et l'aftercare, qui sont souvent présentes au sein de l'API. C'est le cas, par exemple, à Business France, comme je l'ai dit tout de suite, mais qui parfois ne sont pas traitées par l'agence de promotion d'investissement, qui sont traitées par d'autres agences, par des ministères en direct, et sur lesquelles l'API va au mieux être un contributeur, parfois même être tenu à l'écart et ne pas avoir son mot à dire sur ses actions. Donc, on verra que ça peut poser un problème sur la cohérence ensuite du dialogue public-investisseur, en tout cas du point de vue de l'API. Alors, le deuxième sujet, donc, c'est la multiplication des acteurs, puisque quand on parle de dialogue public-investisseur, il ne s'agit pas simplement de l'API, qui, selon nous, en tout cas, doit être évidemment un acteur et même un acteur central dans ce dialogue avec l'investisseur. Il y a aussi beaucoup d'autres acteurs qui vont intervenir. Les ministères, l'administration, les services de l'administration qui ont à faire avec l'investisseur, l'innovation, etc. D'autres agences publiques, des clusters, des pôles de compétitivité, etc. Les chambres de commerce, et puis au niveau local, les autorités, municipalités, gouverneurs, gouvernements régionaux qui interagissent également. Donc cela fait une multiplicité d'acteurs, tout l'enjeu vis-à-vis de l'investisseur, qui souhaitent voir une cohérence et une efficacité dans cette approche avec de multiples acteurs publics. Tout l'enjeu sera de donner non seulement une impression de cohérence à cet investisseur, mais d'avoir une réelle cohérence dans l'approche qui sera faite pour qu'elle soit le plus efficace possible. Alors, les canaux du plaidoyer attractivité, puisque c'est sur ce sujet qu'on va se concentrer aujourd'hui, le plaidoyer repose sur trois piliers principalement, en règle générale. Le premier qui est ce que j'appellerais l'analyse macroéconomique, ce sont les études sur la compétitivité économique du pays, études comparées, classements internationaux. Alors il y a un classement qui revient souvent dans les préoccupations des agences de promotion des investissements, qui est le fameux Doing Business Index, publié chaque année par la Banque mondiale, avec un ranking, donc où le pays gagne 5 places, où on perd 8, etc., suivant un certain nombre de critères. Très souvent, d'ailleurs, certaines agences organisent toute leur action de plaidoyer attractivité autour de l'amélioration de ce classement international, dans la mesure où, évidemment, si le classement s'améliore, ça leur fait un argumentaire marketing pour dire on s'améliore, donc les investisseurs seront encore mieux chez nous. C'est, à mon avis, pas suffisant, bien entendu, pour organiser un bon dialogue, un bon plaidoyer. Le deuxième pilier de ce plaidoyer, c'est le benchmark des compétiteurs. Voir ce que nos principaux compétiteurs, c'est souvent les pays voisins, sur lesquels on est régulièrement en concurrence pour attirer des investissements et des investisseurs étrangers, quelles mesures prennent-ils ou ont-ils prises récemment qui est susceptible d'améliorer leur compétitivité et donc de leur donner un avantage sur notre propre pays. Alors, ça peut être des mesures de fiscalité, de réglementation, droit du travail, ça peut être des appuis très ciblés, sectoriels, ou par exemple des programmes de développement de start-up, ça peut être évidemment des grandes infrastructures ou des équipements, et c'est, pour finir, tout ce qui est aide publique, et notamment aide publique ciblée sur les services. Le troisième pilier, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est le dialogue public-investisseur. Alors, lorsqu'on parle de plaidoyer attractivité,
l'output essentiel du dialogue public-investisseur sera en fait le feedback, c'est-à-dire le retour d'information que ce dialogue permettra de générer venant des investisseurs eux-mêmes, des entreprises que l'on rencontre, qui permettra de remonter pour analyse les problèmes qu'ils rencontrent ou les problèmes qu'ils ont anticipés, l'image qu'ils ont sur le droit du travail, sur les freins à l'investissement, sur la difficulté pour obtenir un permis de construire, etc. Tous ces problèmes. Un retour d'expérience également que l'on peut mesurer dans le dialogue qu'on a avec eux sur l'impact qu'ont eu des mesures d'attractivité qui ont été prises l'année précédente ou quelques années auparavant pour voir si ces mesures qui ont été passées pour répondre à leurs problèmes ont effectivement répondu à leurs problèmes et s'ils considèrent que c'est un vrai progrès pour eux-mêmes. Et puis plus globalement, les suggestions d'amélioration qu'ils peuvent faire sur le climat des affaires qui peuvent être très diverses, depuis des mesures d'ordre fiscal jusqu'à des mesures qui peuvent paraître anecdotiques, un accueil VIP en aéroport, mais qui peuvent avoir un impact réel, psychologique ou matériel, sur les investisseurs. Alors, trois piliers, donc. On a souvent, certaines agences en tout cas, ont souvent tendance à considérer essentiellement les deux premiers, l'analyse macroéconomique, les classements de Doing Business et le benchmark des compétiteurs pour essayer de faire aussi bien qu'eux. Il ne faut pas négliger le dialogue public-investisseur, qui à mon avis est peut-être le plus important des trois piliers, dans la mesure où c'est la vraie mesure où l'on confronte les mesures prises pour l'attractivité avec le réel vécu par les investisseurs. Là, on n'est pas dans du théorique sur est-ce que les investisseurs ont besoin de ci ou ont besoin de cela. On est sur un réel où les investisseurs nous disent voilà comment je vis ça, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils manquent. Donc, c'est un point très important. Ça permet de mesurer aussi la perception du pays au-delà du réel. Comment est-ce que les investisseurs voient le pays, son climat des affaires, ils voient l'évolution de ce climat dans le temps. Et puis, il y a un dernier point qu'il faut souligner, c'est que c'est aussi, par rapport aux deux autres piliers, la façon la plus efficace de créer un lien direct de confiance avec les investisseurs, dans le dialogue qu'on a avec eux. Et en soi, ce lien direct de confiance qu'on crée avec les investisseurs est une mesure importante d'attractivité. Je vous rappellerai qu'en règle générale, quand on regarde les trois facteurs principaux que regarde un investisseur lorsqu'il évalue l'attractivité d'un pays et lorsqu'il recherche à implanter un nouveau projet d'investissement, c'est la qualité de la main-d'œuvre, formation, disponibilité, la qualité des infrastructures logistiques et autres infrastructures. Et le troisième point, c'est la capacité des acteurs publics, du gouvernement, des agences publiques, des municipalités, à les assister et à les aider à résoudre les problèmes qui se présentent. Beaucoup de projets sont gagnés, vous le savez sans doute, nous avons tous des histoires vécues sur ce sujet, parce qu'au-delà évidemment des conditions favorables qu'on pouvait offrir sur la main-d'œuvre, sur les infrastructures, on avait créé ce sentiment de confiance qui leur faisait penser que s'ils avaient des problèmes, ils seraient toujours accompagnés avec le maximum d'efficacité. Et le dialogue public-investisseur est là pour les conforter dans ce sentiment de confiance. Alors, pour résumer, lorsqu'on regarde le plaidoyer attractivité, on s'aperçoit qu'il se retrouve en fait au carrefour de deux activités. Alors, il repose sur trois sources, comme on l'a vu, les études économiques, les benchmarks pays et le dialogue public-investisseur, sachant que le dialogue public-investisseur lui-même a deux autres objectifs qu'on a vus tout à l'heure, le plaidoyer bien sûr, mais aussi d'assurer l'aftercare, c'est généralement le premier objectif du dialogue public-investisseur, et d'alimenter l'agence en outils marketing. Donc, toute la subtilité et la complexité de l'exercice de dialogue public-investisseur sera de réussir à bien combiner de façon la plus efficace possible ces activités qui sont généralement gérées par deux départements différents, si on prend une agence de promotion des investissements. Le plaidoyer, les études économiques sont plutôt généralement confiées au département études économiques, alors que le dialogue public-investisseur, notamment au travers des actions d'assurance et de marketing, est lui plutôt lié au département services aux investisseurs ou au département assurance, sachant qu'il y a cette interface de l'alimentation du plaidoyer qu'il faut gérer. Alors, quels sont les risques
par rapport à ce qu'on vient de dire, que peut encourir à le dialogue public-investisseur. Alors, le premier, c'est qu'il soit considéré, justement par rapport à cette question de positionnement que l'on vient de voir, comme une action non prioritaire, voire éventuellement comme quelque chose qui n'est pas une mission de l'agence de promotion des investissements, qui doit se concentrer sur la prospection et la négociation des projets, qui sont évidemment importantes en termes de résultats espérés, et que donc le dialogue public-investisseur, le plaidoyer, vienne finalement derrière. C'est un premier problème. Comment le résoudre ? Il est important dans les missions de l'investisseur, c'est-à-dire dans les missions de l'agence de promotion de l'investissement, de bien préciser quelle est la place du dialogue public-investisseur en tant que tel, et de lui allouer, bien entendu, des moyens en termes de ressources humaines, ça peut être au travers de personnel consacré, ou en tout cas de personnel qui ont du temps pour réaliser les différentes actions, de budget et d'objectifs de la vie. Le deuxième écueil, c'est de concevoir ce dialogue public-investisseur comme uniquement un outil de contrôle, si on peut dire, des investissements. C'est-à-dire récolter des données sur les investissements, les statistiques, le nombre d'emplois créés, le volume d'investissement réalisé, le contrôle des aides, le contrôle des conditions, voir si l'investisseur a rempli ses conditions, qui sont des choses importantes et utiles à faire, mais qui ne doivent pas être un objectif, en tout cas l'objectif premier du dialogue public-investisseur. Récemment, le responsable associé d'une agence publique d'investissement, que je ne mentionnerai pas, m'expliquait que pour lui, c'était l'essentiel de la Turquie, c'était d'assurer ce contrôle parce qu'ils avaient un devoir vis-à-vis du gouvernement de statistiques sur les investissements. Alors, bien entendu, il faut le faire, mais il ne faut surtout pas limiter la Turquie et le dialogue public-investisseur à cette activité. Donc, bien définir les objectifs et les indicateurs clés qui vont permettre de programmer puis de mesurer ensuite les résultats obtenus par le dialogue des investisseurs pour éviter justement de se circonscrire à ce simple. Troisième écueil, c'est d'avoir une approche par objectif non intégrée. Ce que je veux dire par là, vous voyez que le dialogue public-investisseur a trois grands types d'objectifs, faire l'aftercare des projets existants, émettre des recommandations pour le plaidoyer et aider à construire des outils marketing. Alors, il y a un certain nombre d'actions qu'on va voir tout de suite qui vont être menées dans ce cadre-là. L'idée générale, et en tout cas la chose que l'on s'applique à nous-mêmes, à Business France, c'est de considérer que chaque action et chaque occasion de dialogue avec l'investisseur, pour l'agence, pour le partenaire, doit être une occasion de traiter non pas un seul des trois, mais des trois objectifs. Quand on voit un investisseur, il faut toujours se poser la question, en tout cas avant de le voir, est-ce que là-dessus j'ai un objectif en termes d'aftercare ? Oui, lequel ? Est-ce que j'ai un objectif en termes de plaidoyer ? Avoir son avis sur telle chose, voir si, les problèmes qu'il a, etc. Et un troisième point, tirer des éléments pour améliorer mon marketing, par exemple une success story, s'il mentionne qu'il est très content de telle et telle chose, ou qu'il vient d'investir, qu'il vient de faire un nouveau projet, etc. Donc, avoir toujours ces trois objectifs en tête et organiser chaque action qu'on va mener dans le cadre du DPI en précisant pour chaque action quels sont les objectifs sur chacun de ces trois grands objectifs. L'approche multi-objectif intégré du DPI, c'est important. Alors, le dernier écueil, c'est le risque de dispersion du DPI dans la mesure où il y a des acteurs multiples, pas seulement l'API, mais d'autres acteurs ministériels, d'autres agences, etc. Très difficile, c'est un sujet de façon qu'on ne peut pas résoudre comme cela. Un point important et une solution, c'est de passer une convention de partenariat, si possible, avec un rôle de coordinateur donné à l'API. Alors, les actions du DPI, il y en a diverses, je les mentionne rapidement. Les entretiens individuels avec les dirigeants, que ce soit des filiales locales ou des QG au niveau régional ou mondial. Les entretiens de haut niveau, donc moins nombreux bien sûr, mais lorsque c'est justifié avec le président, avec des ministres ou avec l'ambassadeur de notre pays au niveau des QG. Les enquêtes à distance, bilan annuel, enquête de satisfaction, enquête d'attractivité.
une web page dédiée sur votre site internet pour les investisseurs présents, pour sur les actualités, sur les événements, sur les nouvelles mesures passées, etc. Invitation à des événements. Alors, ça peut être des événements, disons, prestiges, la fête nationale, des événements culturels, mais aussi des événements plus professionnels, séminaires thématiques, organisation de clubs par pays ou bien par secteur d'activité, où cela permet aux entreprises d'un même secteur ou d'un même pays de se retrouver une fois par an, par exemple, et les inviter comme participants, mais parfois aussi comme intervenants pour faire part de leur expérience dans le pays. Et à des rencontres de prestige, typiquement, par exemple, le Conseil supérieur de l'attractivité, lorsqu'on réunit autour du président ou du premier ministre une vingtaine, une trentaine de dirigeants d'entreprises étrangères. Je parlais tout à l'heure du sommet Choose France. Donc, pour rappel, nous avons fait la troisième édition au début 2020. Désormais, ça a lieu tous les ans au château de Versailles. C'est 150 à peu près chefs d'entreprise, de grandes entreprises étrangères et parfois d'entreprises petites technologiques qui se réunissent autour du président, du premier ministre, de 20 ministres. 400 rendez-vous B2B qui sont organisés avec les acteurs publics, mais aussi entre eux. Et pour nous, c'est à la fois un événement de prestige qui permet d'avoir de la visibilité, mais aussi une occasion de contact business pour assurer le suivi de certains projets. Donc, on retrouve bien les trois objectifs que l'on a mentionnés tout à l'heure. Alors, l'approche multi-objectif, voilà comment elle peut se traduire. Si on regarde, j'ai listé ici à gauche les différents types d'activités que l'on mène. Et si on regarde par rapport à nos trois objectifs, aftercare, plaidoyer, marketing, plus l'objectif annexe de statistiques et le développement de la relation de confiance, ben, on peut finalement voir pour chaque type d'action quel peut être son impact sur chacun des objectifs. Donc, le classement que nous avons fait ici en mettant les vert foncé, high pour les objectifs très importants, medium pour objectifs moyens et low pour objectifs secondaires. C'est un classement personnel de Business France. Vous pouvez avoir bien sûr d'autres classements. Il est important pour vous que vous puissiez évaluer vous-même au travers d'une telle matrice ce que vous attendez des différentes actions que vous allez engager dans un des pays. L'exemple de l'entretien individuel, typiquement, c'est de prévoir dans le guide d'entretien que chaque prospecteur a lorsqu'il doit faire un entretien individuel, un volet questions à aborder pour chacune des rubriques. Qu'est-ce que je dois aborder en aftercare, en plaidoyer, en marketing, quelles statistiques, quelles données je dois récupérer, etc. Voilà, je terminerai sur la construction du plan d'action. Alors, quelques étapes très rapidement. La première chose, c'est bien entendu de définir les priorités stratégiques et les objectifs pour chaque client, en l'occurrence ici pour le plaidoyer. Qu'est-ce que l'on attend du dialogue public investisseur, quel type de mesures, combien éventuellement est-ce qu'on peut les quantifier. Ensuite, de choisir et de valider au niveau de l'agence et avec vos tutelles les indicateurs et avec vos partenaires également du dialogue, les indicateurs smart, c'est-à-dire pertinent, mesurable, atteignable, qui seront utilisés pour le plaidoyer, indicateurs d'activité, indicateurs de résultats et éventuellement indicateurs d'impact. Et ensuite, préparer un plan d'action annuel avec, quand c'est possible, un objectif annuel quantifié. On verra ce que ça peut être pour des indicateurs. Préparer sur cet objectif un programme d'action qui permettra d'atteindre l'objectif annuel pour chaque KPI. Entretien individuel, atelier, etc. Plusieurs acteurs sont amenés à intervenir, répartir le travail entre ces différents acteurs, mettre en place un dispositif de monitoring pour le suivi de la mesure des résultats et le reporting de ces résultats, et enfin sécuriser le budget et la ressource humaine nécessaire à la mise en œuvre avant l'engagement de ce plan. Il n'y a rien de pire que effectivement d'avoir un plan extrêmement ambitieux, mais qui ne dispose pas des moyens humains ou des moyens budgétaires pour être réalisé. Alors, quelques exemples d'objectifs et d'indicateurs qu'on pourrait appliquer au plaidoyer, assez rapidement dessus. Nombre de rendez-vous individuels faisant remonter des avis à investisseurs sur votre activité, ça peut être un objectif de moyens. Le pourcentage d'actions des pays où le plaidoyer a effectivement été abordé. Si on va en bas, le nombre de mesures d'amélioration adoptées par le gouvernement suite aux remontées et suggestions du DPI, ce sont par exemple des indicateurs qui peuvent être pertinents
Il n'y a pas de standard international, c'est à vous de voir lesquels correspondent le mieux à votre vécu et aux attentes éventuellement de vos tutelles ou de vos partenaires. Mais l'important est que vous ayez des indicateurs et des objectifs bien définis qui vont vous permettre de structurer les actions. Dernier point sur les outils et moyens. Il faut commencer, et bien sûr, par avoir une liste qualifiée des investisseurs étrangers présents dans le pays. On n'a jamais une liste exhaustive à 100%, mais c'est un travail continu d'essayer de la qualifier, de retirer ceux qui sont partis et surtout de rajouter ceux qui sont présents et qu'on ne connaissait pas forcément. Le gérer dans une base de données, alors idéalement un CRM, mais en tout cas une base de données, ne fût-ce qu'un tableau Excel, pour pouvoir gérer les données et les mettre à jour, planifier les actions et enregistrer les comptes rendus pour pouvoir assurer un suivi dans le temps de chaque investisseur. Une convention de partenariat avec les acteurs nationaux impliqués, on l'a évoqué, qui permettent de définir qui doit faire quoi dans ce dialogue. Et puis, dernier point, définir quelles ressources humaines on a besoin et de quel budget on a besoin pour mener cette action. C'est une activité qui est généralement peu onéreuse, sauf évidemment les éléments de prestige, mais néanmoins, il faut qu'elle soit correctement dotée de moyens, sinon on risque effectivement l'échec ou l'insatisfaction. En conclusion, donc, la contribution du dialogue public investisseur à la mission de plaidoyer n'est pas une contribution marginale, c'est une contribution essentielle, c'est un des trois piliers importants du plaidoyer. Ça doit être une priorité de l'agence de promotion des investissements. Dans la mesure du possible, l'agence devrait être l'agence coordinateur du dialogue public investisseur vis-à-vis des autres partenaires. Si ce n'est pas le cas, elle doit au moins s'assurer que l'ensemble des partenaires contribuent à l'alimentation du plaidoyer. Le DPI, donc, il doit être organisé de façon équilibrée sur les trois pieds, aftercare, plaidoyer, marketing, en l'abordant de façon intégrée, comme on l'a dit, et structuré autour d'un plan d'action avec des KPI, objectifs quantifiés, atteignables et mesurables. Dernier point, s'assurer que les moyens IRH et budget sont bien mobilisés et sont bien disponibles pour que ce dialogue public investisseur soit le plus fructueux possible, tant pour le gouvernement, qui est le client en l'occurrence, que pour les investisseurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis bien sûr disponible pour les questions que vous auriez. Merci beaucoup Philippe Hivergnaud de Business France. Tu peux peut-être mettre ta caméra comme ça. Voilà, bienvenue. Merci pour cette présentation très exhaustive et qui nous cadre bien l'ensemble du sujet. Thank you Philippe from Business France. Philippe Hivergnaud from Business France. I think this presentation gave us a good overview on this topic of how investor dialogue can contribute to the advocacy. Is there any question from the audience? Est-ce qu'il y a des questions ou des précisions? My question, Philippe, would be: you have been managing the office of Business France in London, in the United States as well. So you probably said you conducted thousands of meetings like this. Do you have a story of a good feedback that you brought to Paris and that made a change really for the investor or eventually for the business climate? Do you have a success story of your personal experience? Oui, donc bonjour à tous d'abord, en direct et non pas par vidéo interposée. Oui, des success stories, on en a en fait un grand nombre. En sortir une, comme cela, c'est peut-être un petit peu difficile. J'irais plus une catégorie de success story qui est importante, c'est la justification des mesures qui ont été prises. Je vais prendre un exemple qui est important pour la France, c'est la mesure qui a été prise il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, qui s'appelle le crédit impôt recherche, donc qui est une mesure qui permet aux investisseurs de réduire considérablement le coût de la recherche qu'ils entreprennent en France au travers de crédits d'impôt, qui efface donc à peu près 30 voire 40% à certaines époques des coûts de recherche qu'ils développent en France. Cette mesure est régulièrement remise tous les ans devant le Parlement pour savoir s'il faut la maintenir
maintenir ou au contraire si elle est trop chère et qu'il faut la supprimer. Le retour qu'on a des investisseurs, et on a eu beaucoup d'entretiens avec notamment des grandes entreprises ou des investisseurs étrangers qui utilisaient ce crédit d'impôt, a été, je crois, absolument instrumental pour justifier l'utilité de ce crédit d'impôt pour les investisseurs étrangers, pour dire que ce n'est pas simplement un effet d'aubaine, mais qu'il y a un certain nombre de décisions d'investissement ou de maintien ou de développement d'activité en France qui ont été prises grâce à cette mesure. Donc tout le feedback que l'on a sur l'utilité de certaines mesures prises pour les investisseurs est important pour ensuite justifier le maintien ou le développement de ces mesures par le gouvernement. Merci Philippe. So I was just asking Philippe about a success story. So there is many, as he said, and one of them is the credit or tax, tax relief for research investment in research, crédit impôt recherche in France. So it reduces the cost of research because you can deduct the investment from your taxes. This is a measure that is costly for France. And every year it goes in front of the parliament, and there is a discussion whether it's useful, whether it's relevant to continue to invest this money in this measure. And the dialogue and the feedback from foreign investor has been essential to advocate the fact of maintaining this measure. And they identified a clear number of stories of investment that were made, that were decided in France, thanks to this measure. And actually, we are conducting within a program of ANIMA called the Next Society, a technical assistance in Morocco to recommend the way this same measure, Crédit Impôt Recherche, could be implemented in Morocco. And they are thinking about it, and we are doing a policy paper for the institutions in Morocco at the moment with some experts. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Are there any other questions for Philippe? I don't think so, but the presentation was very complete. Philippe, tu veux ajouter quelque chose? You want to add something? Oui, non. En tout cas, je suis à votre disposition pour continuer la discussion pendant ou après ce séminaire. So I am, of course, I would be happy to continue this discussion with you during or after this webinar. You can contact me through Emmanuel or directly to continue this. Again, what I can just say to kind of conclude is that. This using this dialogue with the investors to feed the policy advocacy on the advocacy of the economic attractiveness is for us really a very, very important thing. It's one of our core missions for Business France. It is mentioned in the contract that we sign every 3 years with the government. We have clear objectives, and it is really important to keep this in mind in permanently to organize your action plan and to develop the dialogue with your customers, with the investors. Donc c'est vraiment très important pour Business France, c'est très important. Il y a des objectifs qui sont très clairs, nous dit Philippe, et qui sont très voilà, qui est très quantifiable et associé à cette action. C'est quelque chose qui est pris très au sérieux. D'ailleurs, ma question pour finir, ça fait longtemps que Business France s'est structuré, ça fait très longtemps ça a évolué? Comment ça a évolué chez Business France, la professionnalisation de cette action d'aftercare? How did it evolve over the time, the professionalization of the public investment dialogue? La mission de plaidoyer, c'est-à-dire la demande faite par le gouvernement de lui remettre un rapport tous les ans sur les mesures d'amélioration des investissements, je crois qu'elle a été lancée en même temps que la création de l'Agence française pour les investissements, donc en 2001, donc il y a maintenant un peu moins de 20 ans. Donc ça a été structuré dès le départ. So we have structured this policy advocacy within the missions of the Invest in France Agency, which was there before Business France, since 2001, when the Invest in France Agency was created. So it is quite old. Of course, we have
improve the process through the database, through the coordination with our regional partners, with our local partners, and so on during these 20 years. But it was really there from the start when we created Invest in France Agency. So on a amélioré, bien sûr, toutes ces mesures et la façon dont on mène ce dialogue et dont on prépare les mesures d'amélioration pendant la 20 dernières années, notamment sur la coordination avec les autres partenaires, partenaires régionaux ou autres partenaires, sur l'utilisation de notre base de données qui s'est améliorée au fil du temps. Mais l'objectif était là depuis le départ, depuis la création de l'agence en 2001. So it was improved over the years, especially the cooperation with other actors and sub-national actors like regional agencies, local governments, etc. But it has always been there in the agency since 2001. Thank you very much, Philippe, for the presentation. It will be put online, and sorry for the small typing mistakes in the translation for our English. But I think overall it was well translated. There were a lot of words in this presentation. I would like to speak now to an English speaker from Egypt, Nagi Abou El Hela, Undersecretary Head of Investor Care Department. I think, Nagi, you are with us today. I've seen. Good morning, Mr. Nagi. So we will go through your presentation now and after that we have an interaction with you. Donc, Mr. Nagi Abou El Hela, qui s'occupe du département aftercare, qui dirige le département aftercare au GAFI, l'agence de promotion d'investissement de Egypt. So we go through the video now and then we speak with you. Good morning, everybody. It's a pleasure to be with you today. My name is Nagi Abou El Hela. I am advisor of the GAFI Shell. GAFI is the General Authority for Investment and Free Zones in Egypt. Today, we will have some discussion about the aftercare department in GAFI. Actually, we will cover some points. Introduction, why aftercare, target establishing investor aftercare, channels of communication, action taken, results of implementing effective aftercare, the role of aftercare during the COVID crisis, and finally, problem solving and policy advocacy, and we'll discuss some success stories. As an introduction, the Egyptian government aimed to improve the investment climate, and one of these main pillars is to have investor aftercare. Investor aftercare plays an important role for overcoming the current and potential challenges that may face the investor during their investment in Egypt. Why aftercare? Since 2006, GAFI was taking several steps to improve the services that will be offered in the one-stop shop or the investor services center. At this time, we found that there is a real need to establish a department for aftercare. This department will lead to help the investor to overcome the challenges that they may face during the registration process or after establishing the process and start the projects in Egypt. The target of establishing investor aftercare: overcoming challenges, obstacles facing potential and existing investor. But particularly, the main target is taking care of the existing investor to overcome the challenges that they may face. And our success is to enable the investor to have expansion and increase their capitals in the country.
channels of communication, how we can deal with the investor, how we receive their inquiries, their complaints. This is normally during meetings, correspondence, or through telephone calls on our hotline, or through the several electronic means like Facebook, field visits, or WhatsApp. First of all, when we receive any inquiries from the investor, we call the investor, get more information about the nature of the challenge that discuss the issue with the investor. Then we search to determine which governmental authorities or which entities are the cause of this issue. Then, through our investor services center, we have representatives for over 60 governmental authorities. The first step, we get in contact with the representative of the concerned authority in the one-stop shop and discuss the situation. If he could finalize it or solve it, this is fine. Or otherwise, we have to allocate a competent authority and raise it to his higher level. Second, we have to follow up with the investor and the authority to assure that the situation is done or the challenge is already solved. When we face some difficulties to solve this issue, we arrange direct meeting between the concerned authorities and the investor and follow up with both the investor and the concerned authorities. If the situation is much difficult, at this moment, we can orient the investor to what we call Ministerial Dispute Resolution Committee. This committee, headed by His Excellency, the Minister of Justice, they discuss the situation and take the corrective action, and their decision will be approved by the cabinet. Why to be approved by the cabinet? To get the legality to be obeyed by any governmental authorities and the investor as well. One of the actions taken from the aftercare, preparing some reports with the common challenges and raise it to the higher authorities. By the way, nowadays, the General Authority for Investment and Free Zones, under the umbrella of His Excellency the Prime Minister. That's why this is a very good chance to have a direct communication between the General Authority for Investment and His Excellency the Prime Minister and the Cabinet at large. Periodically, we have some reports explain the different channels that may face the investor, which governmental authorities or entities are causing many challenges for investors, and arrange with these governmental authorities to avoid the occurrence of this challenge in the future. And this is one of our main targets. We are not taking care only of solving the issue with the investor, but the main target is to assure that this challenge will not occur in the future. Enhancing investor confidence in the economy will lead to expansion, and this is our second target, to assure that or
to assure that the existing investor enjoy a good investment climate, which convince him to increase his capital and to have some expansions. Second, when the existing investor enjoy good investment climate, this will be the first step for attracting new investment, and this is our second target. The first target of taking care of the existing investor, which leads to new investments. Improving the investment climate at large, this will reflect on the ranking of the country in the international rivers, which will be one of the main pillars to increase the FDI and attracting new investment. Now we will discuss some of the main actions that has been taken by the Egyptian government and the General Authority for Investment and Free Zones during the COVID-19 crisis. As I mentioned, there is some action has been taken by the government and some others has been taken by or have been taken by the General Authority for Investment and Free Zones. We will start with the General Authority for Investment and Free Zones. Just to have heard about the we will come to what the aftercare done with the investor during the COVID-19 crisis. Actually, there is few actions has been taken by the Egyptian government and some others have been taken by the General Authority for Investment and Free Zones. Actually, we'll start with what the General Authority for Investment and Free Zones done. Just we have heard by the crisis, a quick communication done with the investor through meetings online, meetings with governors, ministers, and concerned parties to see how we can deal with the major challenges that may face investors. Also, we thought very quick by using the electronic communication to communicate with investor through WhatsApp, Facebook, and phones or video conferences. And we started to think how we can deal with investor or remote contact with the investor through online process. We start to do some of our services online. And I'd like here to explain that our investor service center offer 106 different services for investors. We start, the main services is the registration of companies. We start the registration of companies online and some approvals. Second, we start to use the online service for promotion. We start to put investment opportunities and investment map online to enable the investor to have land allocation online, land reservation online, and also the electronic payment of the land price. For the free zones, most of the project should export around 80% from production capacity outside the country. But due to the lack of shipments and the difficulties in transportation, we allow the investor in free zones to export 50% from their production capacity to the local market instead of 20%. Also, the industrial projects in the free zones, we allow them to use their existing production facility to produce face masks, face shields,
without getting any more approvals or permits. And also, we communicate and coordinate with the customs authority to release goods from different ports, seaport or airports, by online process. And customs authority announced they have using the one-stop shop to release the equipment. And this has been applied to two main ports, Cairo Airport and Port Said Sea Port. And in the government, on the governmental level, many actions have been taken. As example, the Ministry of Finance removed and reduced interest on customs and tax receivable. The Central Bank of Egypt postponed payment of bank installments for a period of 6 months. The Ministry of Industry granted the investor grace period to complete the construction of their facilities, and they postponed the payment of land price. And now we will come to the main topic today, is the effect of investor aftercare and policy advocacy. Aftercare considered the voice of the investor and the contact with the investor, and giving proactive aftercare and active aftercare during some legislative amendments or procedure to overcome the challenges that may face the investor. Some of these actions which have been taken upon the experience from the past few years, reducing custom fees on machinery from 5% to 2%, refunding the export subsidies within a short period, because the country helps the investor to increase their exportation by giving them export subsidies, and export subsidies reaches 13% from the price of the shipping. They expedite the process to refund the export subsidies. And upon the investor demand, the residence visa or the working visa for the foreign investor could be given up to 5 years to help the investor to have a stable stay in the country. Also, GAFI has done several modifications on the investment law 72 of 2017. One of these modifications is to grant all the incentives which will be given to the green fields to be given to the existing or to the expansions. That means if the existing projects start their expansion process, they will be given the same incentives that will be given to the green field or to the new investment. And also some other amendments to the investment law, we given geographical incentives, like the projects which will be in Upper Egypt or South Egypt will giving the land in for free, and they will giving tax exemption. And also some exemption for the project registration fees on loans and contracts. And I'd like to finally to just point
to some of the success stories, which indicates how much the investor aftercare participate in improving the investment climate, helping the investor to have a stable stay in the country, and which leads to more expansion. And as example, this is LG Electronics, and during the COVID crisis, we have a meeting with them, and they start a new expansion to have new production lines. And also, one of the very famous companies working in the wiring systems, Sumitomo, this is a Japanese company. Just a few weeks ago, we have met them, and they are starting their fourth expansion in 6th of October industrial zone. And finally, thank you. My name is Engineer Nagy, and I'm the advisor of the Gafi chairman. Thank you. Thank you very much, Mr. Nagy. Again, very extensive presentation, and very very helpful to see concretely how you have managed to make evolving the measures, the laws, the conditions for investors from the free zones where you, due to the COVID-19, allowed to enlarge the possibility to sell within the country, even from the free zones, which were not the case. Also to enlarge the incentives to expansions and not only greenfield. I think there were translation mistake, but I will correct it in French for the visa. So if you have questions, si vous avez des questions pour Monsieur Nagy, vous levez la main ou vous les mettez dans le chat. If you have questions, you put them in the chat or you raise your hand. I have questions myself about your organization. How important is the team which is in charge of aftercare, following up this with investors? That's my first question. Who are these people? What are their profile? Are there the prospectors, or is it a dedicated team? And how many people do you have to do that? And my second question to you is about this coordination you have with. Is there a specific bodies, processes, how you manage to coordinate with other public authorities in the country? How do you manage that? And you ensure that everything is fluid and smooth. Donc, I will translate. Voilà, mais mes questions, c'est quel est le profil et combien de personnes s'occupent de cette aftercare? Voilà, est-ce que c'est une équipe importante? Parce qu'on voit que les résultats sont quand même très significatifs. Il y a eu de la réactivité, changement de mesure, à la fois lié au Covid, mais aussi à cet aftercare. Et puis, comment le GAFI, donc le General Authority for Investment, assure cette coordination avec les autres autorités publiques? Est-ce qu'il y a des instances particulières ou des processus particuliers? The floor is yours, Mr. Nagy. Actually, I am heading a department including 10 persons. According to dealing with several entities, we have divided the group or the team sectorial. As example, there is dedicated person, or we call him an officer. He is taking care of Ministry of Tourism or all the challenges that related to Ministry of Tourism, other related to Ministry of Manpower, and so on. Second, like I mentioned in my presentation, in our investor services center, we have representatives for around 60 governmental authorities. This will be our first step to discuss any challenge or inquiries with the representative of the authority in our investment center, investment service center. Then we will raise it to the higher level to his managers, or otherwise, if the situation is
not that easy to deal with, we will raise it to our higher level, which is the Prime Minister's office or to the cabinet. Thank you very much for the answer. I will translate it in French. Donc, Mr. Nagy said, Monsieur Nagy nous dit qu'il y a 10 personnes dans ce service d'aftercare hein, qui sont en charge de la relation avec, avec les investisseurs, que ça c'est pour le sujet de l'organisation du service aftercare. En ce qui concerne la coordination avec les autorités publiques, d'abord, il y a des personnels, des officers qui sont dédiés à certains ministères, ministère de la Justice ou ministère du Travail, des personnes qui sont dédiées à la relation avec ces ministères, pour s'assurer que c'est fluide. Et puis, il nous dit que c'est au sein d'une Investment Service Center, donc le centre de service des investisseurs, où là, qui est un peu le guichet que pilote le GAFI, où là, il y a 60 organisations gouvernementales et autorités qui sont présentes et donc qui permettent d'avoir un échange complètement, en tout cas régulier et fluide pour discuter des défis et des améliorations. Et si ça ne marche pas, eh ben, on escalade au manager des représentants dans ce centre de service ou même au ministère, voire au cabinet du Premier ministre. Thank you. There is a question from an intervenant, Vanessa. She's talking about your priority to adapt and to take advantage of the opportunities that are generated by the pandemic, by the sanitary crisis. So I don't know if it's related exactly to your aftercare department, but obviously, because you are meeting with a lot of investors, you may find and encounter that there are opportunities that are arising from this situation, which is complicated, but which also generate opportunities. So from the GAFI point of view, how do you size these opportunities that emerge from this crisis? Actually, the voice is not that clear. Would you kindly repeat it again? Yeah. There is a question from a participant asking us how we adapt, how you adapt in Egypt, but overall for the other participant, how you adapt to take advantage of the opportunities that arise from this sanitary crisis, from the COVID-19 crisis. Obviously, you have problems, but for investors, there are probably opportunities that arise from this situation. And the question is how you identify and how you take advantage of these opportunities. Yes, but when the crisis started, we found out that there is several needs for the society, there is several needs for the country which should be deal with. And from investment point of view, we took quick action to try to orient or direct the existing investor to fulfill the needs of the country of society. And like I have mentioned during my presentation that we permit the industrial projects to start to producing face masks, face shields, medical equipments, just with their existing facility, with just a direct permit from GAFI. Oui, I will translate. Donc, effectivement, le GAFI s'efforce de diriger les investisseurs vers des besoins qui émergent pour la population. Et il a cité un certain nombre de besoins, mais notamment la production de masques, où il y a des investisseurs qu'on a incités à aller se positionner sur ce genre de production. Et c'est aujourd'hui la façon dont il utilise ces opportunités. In terms of digital sector, do you see that there are opportunities or you see that there are interesting developments that would not have emerged without the crisis? Est-ce que dans le digital, c'est aussi Yes, c'est vrai, this is a fact. Because without the improvement of the digital sector, we start to have all the meeting with investor online. We start video conferences. We start to do our services online using all the electronic means and
online services. And this crisis proved that there is a real need to a very modern digital and electronics system to deal with, especially for data recording, like the CRM for recording investors' data and information and so on. OK, oui, oui, effectivement, d'une part, les investisseurs, il y a des opportunités dans ce secteur du digital, mais effectivement, le GAFI, lui aussi, a beaucoup évolué, beaucoup progressé et beaucoup développé la relation digitale avec les investisseurs, avec des nouveaux process, avec des nouvelles façons de travailler et avec notamment qui se base sur un outil de relation client digital qui est assez pointu, ce que nous dit Monsieur Nagui. Well, thank you, Abdel. Okay, Philippe Ivernio said he wants to leave. Thank you, Philippe, for being with us. Abdeljalil Iwanes, thank you for your question. Thank you very much, Mr. Bye, Philippe. Thank you very much, Mr. Nagui, for the presentation and the question. You can stay. Maybe we have no. I think the next presentation is in French, so I'm not sure it will be very very useful for you. But I think you have a little French. You said merci. I didn't know. MBT. MBT. That's it. Okay. Thank you for being with you and with this group today, and I hope we can join another webinar soon. Thanks a lot, Emmanuel. Thanks, lady. Thank you, Mr. Nagy. Thank you very much. Thank you. We are going to move to the next and last presentation. It's from Invest in Morocco, Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, AMDIE. Donc, on passe à la présentation suivante. Cette présentation est en français et on n'a pas encore pu la traduire parce qu'elle est arrivée récemment, mais on va le faire avant de la mettre en ligne. So this presentation is in French, but it's not subtitled in English so far because it arrived late yesterday, but it will be done before we put them online. Donc voilà, il s'agit de la présentation de Nejma El Houda Bouamama, qui est en charge du service de la commission, qui est chef de service, pardon, en charge de la commission des investissements et qui va justement nous parler de son expérience d'aftercare et comment l'aftercare est utilisé à la fois pour la résolution de problèmes mais aussi pour l'amélioration du climat des affaires et de la réglementation au Maroc. Bonjour, je suis Nejma Bouamama. Très heureuse de faire cette présentation pour ce webinaire Aftercare pour plaidoyer politique et résolution de problèmes. Avant de commencer, je me présente. Je suis en charge de la direction Commission des investissements et Aftercare au niveau de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations marocaine. Alors, avant de commencer le sujet, je vais présenter l'agence. Alors, l'AMDIE est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée de mettre en œuvre la stratégie de l'État dans le développement des investissements nationaux et étrangers, ainsi que l'exportation de biens et services. Alors, nos missions... accompagner bien sûr les investisseurs, un accompagnement de A à Z, comprenant l'identification des projets à fort potentiel et une assistance sur les projets de prospection et une mise en relation avec les principales parties prenantes du projet d'investissement. La deuxième mission, c'est promouvoir le Made in Morocco à l'export et donc mettre à disposition une expertise de nos spécialistes, de nos partenaires et de notre réseau. Un accompagnement des entreprises pour le déploiement de leur activité à l'international et une meilleure visibilité sur les marchés à fort potentiel commercial. Notre mission, c'est exposer les expertises, une gestion et un développement des espaces d'exposition, l'organisation de conférences et de manifestations au niveau de l'Office des foires et des expositions de Casablanca. Une autre mission qui est allouée à l'agence, c'est le secrétariat de la Commission des investissements,
qui est une instance présidée par monsieur le chef du gouvernement qui agrée les projets de convention d'investissement et qui statue sur les problèmes et qui aussi permet de discuter un peu de l'environnement des affaires. Très bien. Alors, avant de parler de l'aftercare, je vais vous présenter notre chaîne de valeur. Alors, notre chaîne de valeur, elle va de la veille économique, en passant par la stratégie marketing, le démarchage commercial, l'accompagnement des investisseurs, à l'aftercare et enfin aux propositions au pouvoir public, de propositions, on va dire, concrètes. J'ai parcouru brièvement notre chaîne de valeur pour vous montrer que ça va de la veille à l'intelligence économique jusqu'à l'amélioration de l'environnement des affaires pour, on va dire, passer d'un point à l'autre qui puisse former cette chaîne de valeur qu'on considère non pas linéaire, mais on va dire circulaire. Alors, l'aftercare, sa genèse et son évolution, au départ, au niveau de l'agence, on s'occupait, on va dire, d'enquêtes de satisfaction, on va dire, sporadiques. Et puis, on avait compris que des expériences internationales faisaient ressortir l'aftercare comme une composante essentielle et importante, et comme dispositif important et clé pour la fidélisation des investisseurs et le renforcement de l'activité du pays. Aussi, on tient à ressortir l'élément de l'amélioration du climat des affaires comme objectif principal et qu'on a constaté quand on a fait, on va dire, une revue avant de démarrer notre processus et de le standardiser. Alors, l'AMDI a intégré son aftercare comme chaînon important au niveau de sa chaîne de valeur fin 2011 avant de le structurer. Et on l'a intégré de manière, on va dire, évolutive. Au départ, il était question d'aller vers les investisseurs pour voir comment ils étaient installés, pour voir leur degré de satisfaction. Et puis, on a été accompagné par un cabinet pour structurer notre démarche. Et puis, fort heureusement, on a bénéficié d'un jumelage et on a été accompagné par notre vis-à-vis polonais que je tiens à remercier, qui nous ont accompagnés pour améliorer nos services. On a tenu à faire ce jumelage dans un but bien précis pour pouvoir avoir un œil externe, pour pouvoir bénéficier d'une expertise, on va dire, externe, d'une agence fort appréciable. Et puis, on a, en cours de chemin, amélioré nos processus et amélioré nos activités. Et puis, on a vu comment on travaillait. On a pu, de cette manière, structurer mieux et travailler mieux. Alors, on a mené ce chantier de manière graduelle. Au départ, comme j'ai dit, on partait chez les entreprises pour pouvoir voir comment elles étaient installées et puis d'où est venue l'idée de bien structurer notre démarche, de développer des outils très, très importants et essentiels et puis d'avoir un processus clair avec une démarche claire. Et on a, en cours de chemin, élaboré des outils intéressant. On a bien sûr clarifié l'idée d'avoir un programme de visite clair avec un rationnel de choix au départ. Et ce rationnel de choix, comment on choisit les entreprises qu'on visite, il vient à la fin de l'année et puis on le corrige en cours de chemin en fonction de la conjoncture, en fonction des demandes qu'on reçoit. Et donc, en parlant de programme de visite, on le change chaque année, on le change chaque période. Et puis, on développe des questionnaires de satisfaction et des questionnaires qui sont corrigés en cours de chemin. Et puis, bien sûr, on a un guide très précis de ce que doit faire la personne qui se charge de la mission aftercare. On a un guide bien précis. On laisse la marge pour, en fonction de la visite et en fonction de la mission pour pouvoir ressortir tout ce qui peut être ressorti. Et puis, je tiens à préciser que nos objectifs au départ, ils étaient pour avoir la satisfaction de l'entreprise. Et puis après, on a estimé qu'il y avait plusieurs objectifs
derrière ces missions aftercare et qu'on appelle à partir du processus, ce sont des missions des visites de terrain. L'idée principale, c'est de visiter ces sociétés avec des objectifs bien précis, attester bien sûr de la satisfaction, mesurer leur satisfaction, sonder leur doléance, sensibiliser pour un réinvestissement, estimer la pertinence des avantages qui sont octroyés, estimer on va dire l'environnement de l'entreprise. De cette manière aussi, on a des objectifs de mettre en place des bases de données assez précises de l'écosystème de ces sociétés et de ces projets d'investissement. Et puis, comme autre objectif, c'est qu'on recueille pas mal de thématiques très intéressantes. Je vais y revenir à la fin. Thématiques très intéressantes qu'on structure. Très bien. Donc, je vais répondre à la question comment a répondu le service aftercare à la crise du Covid. Toutes les équipes dont j'ai la charge, la direction, se sont mis en ordre de bataille pour pouvoir accélérer, on va dire, des missions aftercare, pour pouvoir stabiliser un peu les entreprises. Que, au départ, il y a eu une surenchère, il y a eu une crainte, beaucoup de soucis ont émergé et donc on s'est mis, on va dire, en ordre de bataille pour pouvoir toucher le plus grand nombre de sociétés installées. Et on a un peu modifié nos outils pendant cette crise pour pouvoir répondre à cette enquête qu'on a initiée et qui a été menée au démarrage, on va dire, de mi-mars, fin mars, on a pu commencer l'enquête. Alors l'enquête, c'était principalement pour accompagner des entreprises qui étaient en crise et pour résoudre certaines problématiques qui ont surgi à cause de la crise sanitaire. Et donc, ce qu'on a pu faire, grâce à cette démarche de répondre à des centaines de sociétés contactées, d'abord stabiliser les choses, être à leur écoute. On a remonté pas mal de soucis, on a réglé pas mal de problématiques et on a formulé quelques propositions pour pouvoir régler des soucis en cours de chemin. Donc, lors de cette enquête, on a pu ressortir et identifier pas mal de problématiques qu'on a essayé et dont on a pu trouver des solutions. Et on a répondu favorablement. Et le processus et l'enquête et la démarche a été favorablement accueillie par ces investisseurs. Ça leur a permis de voir qu'on était de leur côté, qu'on était là, qu'on répondait à leurs besoins. Et puis, de cette manière, on a pu leur résoudre leurs soucis et leur dire qu'on était là pour répondre à toutes les problématiques posées au-delà de la crise sanitaire. Alors, par rapport à la question comment l'aftercare est utilisé pour renforcer le plaidoyer politique, tout à l'heure j'ai dit que notre chaîne de valeur, elle allait des études jusqu'à l'amélioration de l'environnement des affaires. Alors, l'aftercare permet de remonter des problématiques et des soucis des entreprises qui sont installées. Alors, quand les équipes aftercare remontent ces problématiques, je pense que quand c'est ponctuel, on résout les problèmes qui sont posés. Et puis, on essaie de développer tout le temps et de ressortir les thèmes qui ressortent à chaque fois. Et donc l'exercice des équipes, c'est de structurer ces problèmes et d'essayer de ressortir avec des thèmes bien précis. Et ce travail qui va de la résolution du problème jusqu'à la structure de ces thématiques sert les équipes à développer, on va dire,
ce qu'on appelle une analyse pertinente de la situation. Et cette analyse de la situation permet aux équipes de développer ce qu'on appelle une matrice de propositions qui sont catégorisées. Ça va des avantages qui sont octroyés jusqu'à l'installation, jusqu'à le rapport avec les départements. Et cette analyse de la situation, quand on ressort, quand on fait ressortir les thèmes qui surgissent des problèmes qui sont résolus, cette analyse de la situation permet de ressortir avec des thèmes bien précis pour améliorer, on va dire, pour améliorer l'existant. Et donc, ça nous permet, équipe de la MDIE, d'être force de proposition et de remonter chaque période vers les instances qui sont concernées, les améliorations de chaque chose. Quand il y a la discussion autour de la loi de finances, donc en ressort des choses qui sont intéressantes, quand il y a une discussion sur des réformes particulières, on a toujours de la matière à apporter pour ces instances, pour pouvoir répondre à certaines questions qui sont très intéressantes. Donc j'ai un peu imaginé, c'est un peu expliqué comment travailler, et puis je préfère laisser plus de marge de temps aux questions qui vont être posées, et je vais y répondre avec grand plaisir. Merci pour votre attention. Alors je ne sais pas si... Merci d'abord pour la présentation. Je ne sais pas s'il y a des représentants de la MDIE qui sont là. En tout cas, je ne crois pas que Nejma soit avec nous pour répondre justement aux questions. Si vous avez des questions ou des réactions, s'il y a des collègues de la MDIE ou du Maroc qui veulent rajouter des points, rajouter des éléments, n'hésitez pas à intervenir en levant la main ou en intervenant sur le chat. Encore une fois, on a bien vu cet enjeu, enfin, ce triple enjeu, hein, de suivre les projets, de faire de la résolution de problèmes et en même temps d'alimenter le marketing et le cadre général du climat des affaires et comment le Maroc s'en saisit. Je crois pas. Allez-y si vous voulez intervenir ou poser des questions. C'est un moment. On va avant qu'on clôture le séminaire. Si vous avez des points de commentaire par rapport aux différentes interventions. Bon, très bien. Moi, je retiens de ces éléments, de ces présentations qu'on a eues. Encore une fois, je remercie chacune des institutions qui a bien voulu participer. Cet enjeu de coordination qui est très important quand on fait de l'aftercare pour améliorer le climat des affaires, améliorer le plaidoyer, même pour faire remonter ou résoudre des problèmes. Les problèmes ne sont pas dans la main de l'agence qui rencontre l'investisseur, en tout cas toutes les solutions ne sont pas dans sa main, et donc il y a cette nécessité de coordination. Le GAFI nous a expliqué que sur les grands partenaires, petits ministères, ils mettaient une dédiée. Voilà, Business France a aussi d'autres processus en place, ces réunions avec les ministres, ce grand forum qu'ils font annuellement où il y a 20 ministres qui sont présents, qui est avec des rendez-vous organisés entre les investisseurs et les ministres. Donc voilà, chacun a des processus. Business France nous disait aussi qu'ils signent des conventions de partenariat avec chacun des acteurs pour pouvoir voilà, avoir un engagement mutuel sur des résultats, sur des délais de procédure, etc., etc. Donc cet enjeu de communication est important. Et un deuxième enjeu qui est très important, c'est l'enjeu de la transversalité en interne. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de aftercare ou de dialogue avec l'investisseur, ça peut intéresser le marketing de votre organisation. Ça va bien sûr intéresser le prospecteur, puisque qui est en charge du développement, de réinvestissement, du déploiement ultérieur du projet. Donc ça intéresse l'équipe commerciale de savoir ce qui va se passer dans cet entretien. C'est souvent eux qui sont là, d'ailleurs, au rendez-vous, qui mènent le rendez-vous. Mais ça intéresse aussi le département plutôt stratégie, études, plaidoyer justement, qui lui va faire monter des choses et essayer d'en tirer des enseignements pour améliorer l'environnement des affaires. Donc il y a besoin d'une bonne coordination aussi, d'une bonne transversalité en interne par rapport à ce sujet de l'aftercare. Et puis je retiens
On l'a vu aussi, chacun l'a exprimé à sa manière, mais on voit que ce n'est pas un métier qui s'improvise. Il y a la nécessité de mettre en place des plans d'action clairs avec des indicateurs de performance clairs et des objectifs bien définis pour cette action de la relation, de l'aftercare, de la relation avec l'investisseur existant. C'est important de le noter et de mettre les moyens du coup qui vont avec. Parmi les bénéfices qui ont été, Nejma vient de le souligner, je crois que Business France l'avait également souligné, c'est la relation de proximité avec l'investisseur et qui construit une relation de confiance qui est très précieuse pour développer les projets, pour susciter le déploiement, pour ancrer finalement l'investisseur dans le pays ou dans le territoire. Voilà, donc c'était effectivement des interventions très, très riches et très intéressantes que vous allez retrouver sur la chaîne YouTube d'Anima très prochainement. Donc vous allez pouvoir les revoir individuellement et puis revoir le webinaire en entier pour ceux qui ont pu en rater des parties. On a rendez-vous prochainement pour d'autres webinaires. Peut-être que Lydie, tu peux passer les dernières slides avant qu'on se dise au revoir. Alors, je viens de mettre le lien. Alors, Lydie vous a mis un lien dans le chat également vers le séminaire d'évaluation, le formulaire d'évaluation pour que vous nous donniez votre avis sur le webinaire, comment on peut améliorer les choses pour les prochaines sessions. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Vous pouvez revoir tous les anciens webinaires en vidéo. On a fait un webinaire sur la communication, c'était en juin. On a fait un webinaire sur la digitalisation des services pour les entreprises. On a fait un premier webinaire sur les services de sauvegarde, les services de soutien aux entreprises en moment de crise, donc lié aussi à l'aftercare. Et puis en septembre, on a eu ce webinaire qui voulait travailler sur identifier les opportunités futures qu'amène cette crise, parce qu'il y a des drames, il y a des dangers, il y a des menaces, mais il y a aussi des opportunités qui émergent, notamment sectorielles. Et donc, on a regardé comment on pouvait se structurer, notamment au niveau des services de veille et de prospective, pour mettre en place, pour saisir ces opportunités. Donc, c'est à revoir sur la chaîne YouTube de Anima. Et enfin, dernière slide, pardon. Voilà, vous avez le lien pour nous donner votre avis. Merci à tous pour votre participation. Merci à Business France, General Authority for Investment, GAFI. Thank you, GAFI. I've seen that Eba is still there. Thank you for being with us. Maybe Eba, I'll finalize the speech. Thank you. Merci à l'AMD. Thank you, AMD. So, I remind you, you can review all the webinars on the YouTube channel of Anima. Voilà, on se quitte. Donc, le prochain webinaire aura lieu le 10 novembre et c'est à nouveau sur comment l'aftercare sert cette fois-ci le marketing et la promotion, l'image du territoire. Donc, on n'est plus dans le plaidoyer, on est sur se servir des clients existants, des investisseurs et des entreprises du territoire pour améliorer son marketing et sa promotion. Ce sera le 10 novembre. Merci à tous. Et merci à nos amis de EBSOMED pour le soutien et le partenariat sur ces webinaires.